Salut à tous, on se retrouve pour la watchlist bilan culturel du printemps parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo comme ça, il me semble que c'était en février ou en mars et je l'avais appelé genre watchlist du début d'année. Sincèrement, il faudrait que je le fasse beaucoup plus régulièrement parce que là j'ai quasiment 3 mois de films, de séries et de bouquins à rattraper, donc autant vous dire que j'ai dû un petit peu écrémer ma sélection parce que c'était impossible que je vous parle d'absolument tout. Sachant que dans cette liste, je n'ai pas mis les films dont je vous ai parlé individuellement sur la chaîne parce que ça sert à rien de faire une redite. Donc, genre les films qui sont sortis récemment au cinéma, vous ne les trouverez pas dans cette liste-là. La plupart des films et des séries dont je vais vous parler, ce sont des programmes qui sont disponibles légalement en VOD, sur Netflix, sur Prime, sur Disney+, etc. Donc potentiellement ce sont des programmes que vous pouvez voir assez facilement. Et je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur Letterboxd si vous voulez avoir des idées ou des recommandations de films, parce qu'en fait sur Letterboxd je liste absolument tous les films que je regarde jour par jour. Donc vous aurez même des petites suggestions hors horreur. Et je commence tout de suite avec le film Paranormal Activity Next of Kin, qui est donc le 9e film de la saga Paranormal Activity. Je ne sais pas quelle est l'appellation de ce film, dans le sens où je ne pense pas que ça soit un remake, ce n'est pas un reboot, c'est plus ou moins une suite, mais pas vraiment. Donc je ne sais pas comment appeler ce film, si vous voyez ce que je veux dire. C'est l'histoire de Margot qui a été adoptée quand elle était tout bébé et elle a enfin une piste sur sa mère biologique et elle va donc décider de partir avec son petit ami et un caméraman dans la communauté Amish dont est issue sa mère et elle va essayer de mener l'enquête et de comprendre pourquoi sa mère a été forcée de l'abandonner alors qu'elle était bébé. Et forcément dans cette communauté elle va se rendre compte qu'il y a des tas de secrets qui sont cachés dont une sorte de démon. Alors il y a un gros point commun avec la saga d'origine Paranormal Activity, mais ça s'arrête là, on est également dans un found footage, mais on change complètement de style, complètement d'esthétique, on n'est plus dans un environnement de maison comme dans les premiers Paranormal Activity. Ici on est très souvent en plein air, on est en voiture, on change de maison, on change de lieu, etc. J'ai eu l'impression que le film surfait un petit peu sur cette vague de Elevated Horror, c'est un terme que j'aime pas forcément, mais je pense que clairement c'était l'ambition du film, ça lorgne pas mal du côté du folk horror également. Voilà, j'ai eu l'impression que ça essayait de se rapprocher un petit peu du travail d'Ari Aster ou de Robert Eggers par exemple. C'est pas un film qui est mauvais, mais c'est pas forcément ce que j'attends d'un film Paranormal Activity. Après, à côté de ça, l'utilisation du found footage, elle est quand même assez intéressante. Il y a des effets de peur qui sont réussis. Je trouve que malheureusement, la fin sort un petit peu de nulle part, quoi. J'ai pas été hyper convaincue par la fin, j'ai trouvé ça dommage. Mais ceci dit, j'ai bien aimé qu'il y ait un vrai lien entre ce film-là et la saga Paranormal Activity. Personnellement, ce sont des films que j'aime beaucoup, surtout le premier. Malgré le fait que ce soit des films que tout le monde déteste en général, mais personnellement je trouve que le premier est hyper efficace et le premier fait très bien son job de film d'horreur qui est censé vous effrayer, donc pour moi c'est réussi. Celui-là, écoutez, je vous le recommande si vous avez envie de le découvrir. Ne vous attendez pas à voir ce que vous avez déjà vu avec Paranormal Activity, mais à entrer dans une sorte de nouvel univers de la saga. Ensuite, j'ai regardé le film Cold Ground, qui est un film en found footage français. J'en avais entendu parler plusieurs fois auparavant, mais c'est un film qui ne m'attirait pas spécialement parce que je sentais que ça allait être une histoire de Bigfoot ou quelque chose comme ça. Et je suis pas forcément friande de ce genre de créature dans les films d'horreur, donc j'y allais un petit peu à reculons. Mais ceci dit, j'ai trouvé ça assez sympa. Ça se passe dans les années 70 et en fait on va suivre un couple de journalistes qui veut faire un reportage sur les mutilations de bétail qu'il y a eu dans une montagne. Et ils vont donc se rendre sur place avec un guide de montagne, un agent de police et une biologiste qui veut prendre des échantillons, etc. Et en fait, quand ils vont arriver sur le site où il y a eu ces fameuses mutilations de bétail, eh bien, le campement est vide. On dirait que les gens qui habitaient là ont été attaqués par une mystérieuse créature. Et ils vont donc essayer de rebrousser chemin, sauf qu'ils vont à leur tour être pourchassés par une créature.
C'est un film qui n'est pas super original dans son histoire, dans son développement, etc. Mais j'ai trouvé la façon de faire assez intéressante parce que déjà le fait que ça se passe dans les années 70, ça fait que les personnages n'ont pas de GPS, n'ont pas de téléphone portable, ils ont juste une sorte de vieux talkie-walkie qui en plus de ça ne fonctionne pas très bien quand ils sont en haute altitude. Ils vont utiliser leur caméra parce qu'elle a une torche pour la nuit, donc c'est ce qui va leur servir d'éclairage. Je trouve qu'en fait, c'est pas mal justifié l'utilisation du found footage et l'utilisation du matériel, les situations qui leur arrivent, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas dans les found footage. Et ici, voilà, je trouve qu'ils ont bien réussi à justifier tout ce qui se passe. Il y a des effets de peur qui sont relativement bien réussis. La créature, alors j'en ai un vague souvenir, il me semble qu'on la voit, qu'elle n'est pas très très belle, mais bon, on va dire que ça fait le job. La fin m'a un petit peu déçue, je m'attendais à autre chose, je m'attendais à une autre finalité, mais dans l'ensemble, c'est un film que je vous recommande, ne serait-ce que pour la découverte et la surprise. Ensuite, j'ai vu le film Barbac, qui est donc une comédie française dont je ne pensais absolument jamais parler sur cette chaîne, mais c'est un film que j'ai vu un petit peu malgré moi, on va dire, parce que l'histoire de Barbac, c'est celle d'un couple de bouchers qui un jour va avoir leur boucherie saccagée par des véganes extrémistes. Et en fait, quand ils vont essayer de rattraper la personne qui a saccagé leur magasin, ils vont malheureusement le tuer. Et ils vont cacher le corps dans la boucherie, sauf que le lendemain matin, la femme du boucher pense que c'est un morceau de jambon. Elle va le mettre en vitrine, elle va le vendre à ses clients, et les clients vont adorer cette nouvelle viande, mais bien entendu, ils ne savent pas qu'il s'agit d'un humain. Et en fait, tout le monde me parlait de ce film parce que, vous le savez peut-être pas, mais je ne consomme pas d'animaux, voilà, je suis végane. Et forcément, un film qui parle de bouchers qui mangent des véganes, vous vous doutez bien que tout le monde me demandait si je l'avais vu ou pas. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais j'ai passé un trop bon moment en le regardant. À la base, j'y allais pas super confiante parce que je pensais vraiment que c'était un film qui allait se moquer des véganes, alors que je trouve que c'est pas spécialement un sujet qui prête à rire, mis à part voilà vraiment les véganes extrémistes qui font des choses un petit peu what the fuck. Mais le fait de ne pas consommer de produits animaliers, je trouve pas que ça soit spécialement drôle ni quoi que ce soit. Donc j'y allais un peu à reculons. Mais j'ai passé un trop bon moment, j'ai tellement rigolé en regardant ce film parce que les situations sont complètement absurdes. J'ai bien aimé le fait qu'on tape un petit peu sur tout le monde parce que oui, on se moque des véganes, mais on se moque aussi des carnistes. On va se moquer également de ces gens qui consomment sans savoir ce qu'ils consomment réellement. Voilà. Là, en l'occurrence, ils mangent de la viande humaine, on leur dit que c'est du porc d'Iran. Et tout le monde y croit, voilà, c'est la viande à la mode, donc tout le monde veut à tout prix en acheter. J'ai trouvé ça assez sympa parce que voilà, ça parle de la consommation, ça va également parler de ces petits commerces qui se font complètement tuer à petit feu par les multinationales, etc. Franchement, c'est un film qui est vraiment super original, qui est vraiment drôle, et je vous en parle ici parce que oui, c'est une comédie, mais c'est hyper gore, c'est hyper graphique parce que voilà, on parle de cannibalisme, on parle de découper les gens pour les vendre dans une boucherie. Et en plus de ça, pour les amateurs d'enquêtes criminelles, voilà, il y a plein de petits clins d'œil et de références tout au long du film, et c'est quelque chose que j'ai adoré parce que la femme du couple, qui est jouée par Marina Foïs, elle est fan de Faites entrer l'accusé et de Christophe Andelade. Donc elle connaît toutes les affaires criminelles, ce qui va leur servir à elle et à son mari pour commettre des meurtres plus ou moins parfaits, parce que vu qu'elle s'y connaît hyper bien en tueur en série, eh bien elle fait tout le temps référence à, je sais pas, le dépeceur de telle ville, la bouchère de telle ville, etc. J'ai trouvé ça vraiment super drôle, donc c'est une grosse recommandation que je vous fais. Ensuite, j'ai regardé le film The Ukrainian Cannibal. Vraiment, on est sur une thématique hein, ce mois-ci-là, entre les cannibales et les found footage, j'ai l'impression de n'avoir vu que ça. Donc, c'est un found footage sur trois cinéastes qui décident de partir en Ukraine pour faire un reportage sur la grande famine qu'il y a eu en 1932 et qui a donc poussé certaines personnes à avoir recours au cannibalisme. Alors, par contre, je ne sais pas du tout si cette histoire de grande famine est vraie ou pas. J'avoue que je n'ai pas du tout vérifié, donc à voir. Et en fait, ils se rendent sur place pour interviewer quelqu'un qui était là quand ça s'est passé. Un des rares survivants de cette période. Et quand ils vont arriver là-bas, il va leur arriver plein de choses bizarres. On a l'impression que les gens les font un petit peu tourner en bourrique. Ils vont devoir faire face à des histoires de paranormal, de démons, etc. Et ce que j'ai bien aimé dans ce film, c'est qu'on va utiliser l'histoire d'un vrai tueur en série qui s'appelait Andrei Tchikatilo, qui était donc ukrainien
et cannibale, forcément. Et j'ai trouvé ça assez marrant, en fait, de voir comment ils arrivent à intégrer cette histoire-là dans leur histoire qui, a priori, au départ, n'a absolument rien à voir. J'étais assez surprise, d'ailleurs, qu'ils utilisent un vrai tueur en série pour étoffer un petit peu le background de leur histoire. Franchement, c'est un film sans prétention. C'est un film que j'ai trouvé plutôt sympa, qui m'a fait passer un bon moment. La fin, c'est clairement inspiré de Blair Witch, mais bon, forcément, vu que c'est plus ou moins la référence pour ce genre de film-là, ça peut se comprendre. Mais en tout cas, c'est un petit film à petit budget qui fait son effet. Ensuite, j'ai vu le film Kama Crusoe, qui est un film qui va être assez compliqué à vous expliquer si vous n'avez pas toute l'histoire en fait qu'il y a derrière ce film-là. Mais pour essayer de vous résumer tout ça, il y a à peu près un an, sur TikTok, il y a eu une histoire à propos d'un gîte qui s'appelle le gîte de la Came Creuse. Et en fait, plusieurs TikTokers disaient qu'ils avaient participé à un concours pour gagner un séjour gratuit dans ce gîte. Et en fait, quand les gens y allaient, eh bien, ils ne donnaient absolument plus aucune nouvelle. Et quand ils refaisaient surface, ils postaient sur TikTok des vidéos qui étaient assez étranges et qui étaient censées être des vidéos promotionnelles pour le gîte de la Came Creuse. Il y a eu plein de gens qui ont eu l'impression que c'était une histoire vraie, que voilà, toute cette histoire de TikToker qui disparaissait, c'était réel. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont mené l'enquête sur cette histoire. En plus de ça, il y a eu des affichages publicitaires dans Paris. Il y a eu le site internet du gîte de la Came Creuse qui était accessible en ligne, etc. Mais en fait, tout ça, c'était un ARG. Et en fait, tout cet ARG servait à faire le film Kama Crusoe. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi parce que mes explications ne sont pas toujours très très claires, mais c'était vraiment cool comme concept. Le film en soi est pas ouf. Vraiment, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas du tout le film d'horreur de l'année. Mais pour le concept, je trouve ça vraiment génial parce qu'en fait, dites-vous que pour faire un film, là, en 2022, ils ont commencé à bosser dessus sur les comptes TikTok, sur les comptes Instagram, sur le site internet du gîte. Pendant plus d'un an, et en fait, ils ont réussi à alimenter cet ARG pendant des mois et des mois, et en fait, les gens y ont cru. Il y a eu des gens sur YouTube qui ont essayé de faire des vidéos pour mener l'enquête sur cette affaire, et en fait, je trouve ça absolument génial d'avoir ce genre de concept en France, parce que les ARG, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis, mais qu'on voit pas spécialement en France, et en fait, je trouve ça génial d'avoir réussi à exploiter le concept à fond pour au final en faire un film. Et en plus de ça, je trouve ça génial de coupler toutes ces technologies modernes qu'on a. Voilà, il fallait utiliser notre téléphone pour aller sur TikTok pour regarder les vidéos, vous alliez sur votre PC pour consulter le site internet du gîte de la Came Creuse, et au final, c'est un film, quoi. Vraiment, je trouve ça génial. Et en fait, dans le film, on va suivre une journaliste qui décide de mener l'enquête sur ces fameuses vidéos TikTok et qui va se rendre elle-même sur le gîte de la Came Creuse pour savoir ce qui se passe vraiment ou pas. J'étais un petit peu déçue du film parce que finalement, quand on avait un peu suivi l'affaire, un petit peu l'affaire, l'histoire, on n'apprend pas grand-chose dans le film. En fait, on a l'impression que pendant genre 40-45 minutes, le personnage fait exactement ce que nous avions fait auparavant. Donc, le début n'est pas spécialement très intéressant. Après, à partir du moment où elle va vraiment sur place, où elle va dans le gîte de la Came Creuse, j'ai trouvé ça cool, mais je m'attendais à autre chose. Je pensais vraiment que ça allait partir dans des délires de sacrifice humain, de secte et tout. Donc à ce niveau-là, j'ai été un tout petit peu déçue, mais vraiment pour l'entièreté du concept, je vous conseille vraiment de vous pencher dessus. J'ai revu le film Blair Witch, donc pas le vrai Blair Witch, hein. La suite de Blair Witch qui a été sortie en 2016. C'est un film que j'avais vu au cinéma quand il était sorti, mais que je n'avais jamais revu parce que je l'avais trouvé extrêmement mauvais. Et des amis ont réussi à me convaincre que le film n'était pas si mauvais que ça. J'espère que vous allez vous reconnaître. Donc j'ai redonné une chance au film et je suis désolée, mais pour moi le film est hyper mauvais. En fait, le problème du film Blair Witch, c'est qu'il détruit absolument tout ce qui avait été fait dans le film original. Donc, en gros, pour l'histoire, dans ce Blair Witch 2016, on suit un jeune homme qui, en fait, est le frère de la protagoniste du Blair Witch de 1999. Et en fait, il veut retrouver sa sœur. Comme si sa sœur était toujours dans la forêt depuis 1999. Déjà, rien que le point de départ, je suis désolée, mais moi, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Donc, il va sur place avec des amis pour mener l'enquête, forcément. Ils vont croiser
un couple de jeunes qui vit plus ou moins dans les environs et qui ont soi-disant retrouvé une cassette vidéo qui appartiendrait à Heather, donc du premier film, et qui vont leur servir de guide pour accéder à cette fameuse forêt de Blair. Mais le gros point négatif de ce film, c'est que comme je vous disais, il détruit absolument tout ce qui avait été fait dans le premier film, parce que ce qui marchait dans le premier Blair Witch, c'était la suggestion et rien d'autre. C'était le fait qu'on ne voit absolument rien, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si c'est les personnages qui sont devenus complètement parano et qui se font des films, ou est-ce qu'il y en a un d'entre eux qui a complètement pété un câble et qui décide de s'en prendre aux autres. On ne savait rien, on ne savait pas si la sorcière de Blair existait vraiment, on ne savait pas si c'était juste une légende, parce que même la fin nous laissait un petit peu en plan et finalement, on ne savait pas très bien ce qui se passait. Et c'est ça qui était vraiment génial. Alors qu'ici, ils veulent tout nous montrer. Tout nous expliquer, nous montrer la sorcière, vraiment, mais c'était la pire idée possible de nous montrer la sorcière, d'essayer de tout justifier ce qui s'était passé. Je trouve que l'idée est hyper mauvaise parce qu'en fait, Blair Witch, c'est un film qui n'a pas besoin de suite, qui n'a pas besoin d'explication, qui n'a pas besoin de surinterprétation. Et c'est tout ce qu'ils ont fait ici. Et vraiment, je trouve ça hyper dommage parce que même les quelques bonnes petites idées qu'ils ont, ils arrivent à les saboter eux-mêmes, ne serait-ce que la fin avec le personnage qui trouve enfin comment ne pas regarder la sorcière de Blair dans les yeux. Voilà, je trouve que le principe est intéressant, mais complètement foiré au bout de 2 minutes. C'est un gros non en ce qui me concerne. Ensuite, j'ai vu un film d'horreur français qui était très mauvais. Vraiment, je suis désolée. J'aime pas être hyper négatif quand je parle de film, mais là c'est vraiment une non-recommandation. C'est un film qui s'appelle Deep Fear, qui avait un point de départ plutôt intéressant, mais qui se foire complètement dans des idées hyper mauvaises. On est dans les années 90, on va suivre trois amis qui sont à Paris et qui décident de faire une visite un petit peu insolite. Ils vont donc partir visiter les catacombes, mais pas le parcours officiel. Ils vont donc faire appel à un ami qui est cataphile et qui va les faire passer par une entrée interdite, qui va les faire explorer des couloirs qu'ils ne sont pas censés visiter, etc. Forcément, c'est une mauvaise idée. On se doute très bien qu'ils vont se perdre, qu'ils vont faire de mauvaises rencontres. Et c'est exactement ce qui va se passer. Donc on suit ces trois personnages pour lesquels on a très peu d'intérêt. Je trouve qu'ils sont très mal développés, que les acteurs sont pas géniaux, ce qui fait qu'on ne s'inquiète pas vraiment pour eux, on a vraiment très très peu d'attachement à eux. Et en plus, on sait très bien qu'il va leur arriver des bricoles. Et je trouve qu'à aucun moment on y croit, à aucun moment on adhère. Il y a une espèce d'histoire de néo-nazis qui n'a rien à faire là, je trouve. Ils vont arriver dans des couloirs qui ne sont pas cartographiés. Et forcément, c'est un bunker nazi. Évidemment. Faut vraiment arrêter, je pense, de faire ce genre de film d'horreur avec tout le temps des nazis comme ressort horrifique. Vraiment, c'est nul. On l'a vu des milliers de fois. Et à moins d'avoir vraiment une idée qui soit super originale, je pense que c'est quelque chose qu'on ne devrait plus faire. Je pense qu'en 2022, on devrait avoir d'autres idées que de nous mettre des nazis dans les catacombes. Clairement. Donc, encore une fois, c'est un gros non. Et pour finir avec les films, j'ai regardé Super Host, que j'ai trouvé vraiment cool. Pour le coup, on va y suivre un couple de youtubeurs. Ils ont une chaîne qui est consacrée à la visite de gîtes qu'ils louent sur Airbnb. Et en fait, leur chaîne est un petit peu en perte de vitesse, donc la fille du couple essaye coûte que coûte de créer le buzz pour relancer sa chaîne, pour regagner des abonnés, regagner des vues, etc. Et en fait, avec son petit ami, ils vont partir dans une magnifique maison. Mais arrivé sur place, l'hôte de la maison est un petit peu bizarre. Voilà, on a l'impression qu'elle cache quelque chose, elle est un petit peu trop gentille, elle est un petit peu trop intrusive. Ils se rendent compte qu'il y a des caméras dans la maison, qu'il y a des micros. Donc parfois ils sont en train de parler et elle leur répond avec les haut-parleurs de la maison. C'est hyper hyper angoissant parce que même s'il se passe pas grand-chose au début, le fait de louer une maison et de se sentir observé et espionné, je trouve que c'est absolument épouvantable. Et forcément, voilà, l'hôte de la maison n'est pas ce qu'elle prétend être. J'ai trouvé ça assez sympa, assez fun. J'ai beaucoup aimé le personnage de l'hôte. C'est la méchante de l'histoire, mais malgré tout, je l'ai trouvée adorable et hyper attachante. Elle a un côté très décalé, en fait, ce qui fait qu'elle apporte pas mal de situations comiques, on va dire.
Et c'est un film qui fait son petit effet. Je trouve ça assez cool de faire un film qui parle de Airbnb. C'est quelque chose qu'on avait déjà vu avec le film The Rental, qui était sorti en 2020 ou 2021. Je me souviens plus très bien. C'est un concept qui est sympa, franchement, à voir. Pour les séries, maintenant, sur Canal+, j'ai regardé la série Yellow Jacket. Pour le moment, il n'y a qu'une saison qui est disponible. La saison 2 arrivera sûrement l'année prochaine, je pense. J'ai adoré cette série. On est en 1996, on suit une équipe féminine de football de lycée qui prend l'avion pour se rendre à un tournoi. Mais malheureusement, leur avion va se crasher en plein milieu de la nature. Elles vont donc devoir apprendre à survivre par leurs propres moyens. Et on les suit en parallèle en 2021 dans leur vie de femme. Donc on voit un petit peu ce qu'elles sont devenues, comment elles ont évolué. Et elles vont devoir affronter, on va dire, un maître chanteur qui les menace de dévoiler tous leurs secrets. Parce qu'on ne sait pas très bien comment elles ont survécu dans ces montagnes. Voilà, on nous donne pas mal de pistes, pas mal d'infos. On les voit devenir de plus en plus autonomes, devenir de plus en plus pragmatiques. Elles vont devoir apprendre à chasser des bêtes pour pouvoir se nourrir, à voilà, survivre coûte que coûte. Parce qu'on se doute très bien qu'en ayant survécu 19 mois dans une forêt, il a dû se passer des choses pas très jolies. Je pense qu'elles ont dû faire des choix et des sacrifices. Voilà, on nous en montre pas trop, hein, je trouve. C'est assez frustrant quand même comme série. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial parce qu'on a ces jeunes femmes qui doivent survivre, qui doivent vraiment se battre contre elles-mêmes, contre les a priori qu'elles ont déjà en tant que jeunes filles modernes des années 90 qui se retrouvent dans les bois et qui vont devoir chasser, etc. Voilà, elles vont devoir dépasser tout ça et elles vont, pour certaines, rentrer dans des espèces de délire un petit peu mystique. C'est quelque chose que j'ai adoré. Vraiment, je suis conquise par cette série. Déjà, j'adore le côté années 90 parce que personnellement, c'est une période dont je suis assez nostalgique vu que j'ai grandi dans les années 90. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup au niveau des références musicales, des vêtements, etc. J'adore. En plus de ça, le casting est brillant. Il y a Juliette Lewis, que j'adore. Vraiment, c'est une actrice que j'aime, mais de tout mon cœur. Donc j'étais trop contente de l'avoir dans une série. À ses côtés, il y a Christina Ricci qui est géniale, qui a un rôle vraiment très particulier, mais qui est aussi horrible qu'attachante. C'est le genre de personnage que j'adore. J'ai adoré et j'ai trop hâte de voir la saison 2 parce que forcément, la saison 1, il y a un énorme cliffhanger qui vous laisse vraiment en plan. Je trouve ça hyper frustrant. J'ai l'impression que j'ai plus l'habitude de voir des séries où il y a des cliffhangers. Donc, j'étais hyper frustrée quand l'épisode s'est terminé parce qu'on a enfin une énorme révélation et la saison se termine. Donc, j'ai trop, trop hâte de voir la saison 2. Ça, c'est une très grosse recommandation. Sur Prime Video, j'ai regardé une série qui s'appelle Wolf Like Me, qui est une série d'horreur et en même temps une série dramatique et sentimentale. Voilà, c'est un mélange des genres un petit peu particulier. Je pense que ça plaira pas forcément à tout le monde. On va y suivre un père de famille qui s'occupe de sa fille suite au décès de sa femme. Il a vraiment du mal à s'en remettre. Sa fille également. Lui, il veut vraiment être hyper investi pour sa fille. Ce qui fait qu'ils ont du mal à communiquer l'un avec l'autre parce qu'ils veulent tellement le bonheur l'un de l'autre qu'ils n'osent pas franchement se dire les choses. Et un jour, ils vont faire la rencontre de Marie, une jeune femme qui arrive dans leur vie de façon accidentelle, on va dire. Et forcément, le père de famille va tomber amoureux de Marie. Et la petite fille va également très rapidement s'attacher à cette femme qui va faire office de figure maternelle. Sauf que le personnage de Marie cache un énorme secret et le titre de la série c'est Wolf Like Me. Donc en fait Marie c'est un loup-garou. Et forcément c'est un petit peu compliqué d'être un loup-garou quand on entame une relation amoureuse. Vraiment cette série c'est un petit bijou. J'ai adoré. Je crois qu'il y a seulement 6 épisodes qui se dévorent les uns à la suite des autres. C'est drôle, c'est touchant. Il y a des scènes du coup de transformation de loup-garou qui sont assez impressionnantes à regarder, qui sont assez gore. Je pensais pas qu'ils iraient aussi loin parce que voilà, au début, vu qu'il y a le côté assez sentimental qui prime, je pensais pas qu'ils iraient vers quelque chose qui soit aussi gore. Ça a été vraiment une super bonne surprise. C'est une grosse recommandation. Niveau bouquin, maintenant, j'ai lu un recueil de nouvelles qui s'appelle Fantôme, Histoire trouble, qui a été écrit par Joe Hill, donc c'est l'un des fils de Stephen King. J'avais déjà lu des romans de Joe Hill, et en fait, ce livre-là en particulier, je voulais le lire parce que dedans, il y a la nouvelle Le téléphone noir,
qui est donc la base du film The Black Phone qui va sortir le mois prochain, il me semble. Et donc j'étais assez curieuse de lire la nouvelle qui a inspiré le film parce que je trouve toujours ça surprenant d'une certaine façon de voir comment on arrive à tirer un film d'1h40, 1h50 d'une nouvelle qui fait seulement quelques pages. Donc j'ai lu aussi toutes les autres nouvelles du livre, hein, bien entendu. J'ai passé un excellent moment parce que avec ces nouvelles, Joel va aborder plusieurs styles de l'horreur. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouvelles qui sont purement fantastiques, avec des histoires de fantômes par exemple, dont l'une avec une jeune femme qui hante un cinéma. Voilà, j'ai trouvé ça vraiment cool. Il y a des nouvelles d'horreur qui sont assez gore. Franchement, la première, j'ai complètement oublié le titre, je suis désolée, mais est franchement trash. Et j'ai trouvé ça vraiment cool en fait d'avoir un recueil de nouvelles qui soit entièrement écrit par la même personne, mais qui va utiliser plusieurs genres littéraires, plusieurs genres horrifiques. Si vous aimez bien le travail de Joel, je vous conseille vivement de lire Fantôme, Histoire Trouble. Et si vous ne connaissez pas son travail, si vous n'avez jamais lu ses romans, je pense que c'est peut-être une bonne porte d'entrée vers son univers. Ensuite, j'ai lu le roman Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neville. Je crois que c'est le quatrième roman de cet auteur que je lis. De toute façon, je crois qu'il n'y en a que quatre en France qui ont été édités et je les ai tous lus. Il y avait donc eu Le Rituel, Appartement 16 et Le Temple des derniers jours. Voilà, je pense que je vous en ai tous parlé sur la chaîne de toute façon. Et celui-là, je voulais le lire parce qu'en fait, il y a eu un film qui est sorti sur Netflix qui est adapté de ce roman. Et le roman, c'est la première fois que je suis vraiment déçue par un roman d'Adam Neville parce que les trois premiers, je les avais plutôt appréciés, même si ce sont des romans qui ne sont pas du tout parfaits, qui sont parfois pas très subtils. Il fait énormément de descriptions, on a l'impression qu'il brode beaucoup dans ses romans, donc c'est vrai qu'il y a des fois où on a l'impression qu'on perd un petit peu le fil de l'histoire, etc. Ou que d'un coup il part dans une direction complètement opposée à ce qu'on était en train de suivre. Mais ici, c'était long à lire, j'ai l'impression que j'ai mis des semaines et des semaines à lire ce roman. En gros, l'histoire, c'est celle de Stéphanie, une jeune femme en Angleterre qui a du mal à joindre les deux bouts. Elle est vraiment en galère financière tout le temps et en fait elle a du mal à trouver un boulot et elle a surtout du mal à trouver un logement parce qu'on comprend qu'avec sa belle-mère c'est assez compliqué et donc elle ne veut pas retourner vivre chez elle et elle décide de louer une chambre dans une maison qui est tenue par un homme et qui spécifie bien qu'il ne veut que des femmes en location dans sa maison et en fait dès qu'elle s'installe dans la maison elle va commencer à entendre des bruits étranges, elle a l'impression d'entendre d'autres femmes qui pleurent, qui se lamentent, qui crient, elle a l'impression même de sentir des femmes dans son lit qui la touchent et elle se doute assez rapidement qu'il se passe quelque chose de bizarre dans la maison, qu'il y a probablement des femmes qui sont déjà mortes, mais elle ne peut pas partir de la maison parce qu'elle n'a pas d'argent. Et en fait, elle a mis toutes ses économies dans la location de cette chambre et elle est complètement prise à la gorge, elle ne peut rien faire d'autre. Et voilà, il va se passer plein de choses, on va découvrir que sous la maison, il y a une espèce de vieil appartement dans lequel il s'est passé des choses très très bizarres. Stéphanie va être de plus en plus hantée par les femmes de la maison. Le propriétaire a un comportement extrêmement déplacé avec elle et en plus de ça, il y a son cousin qui va arriver et qui est complètement fou. Et le bouquin est en deux parties, c'est-à-dire que la première partie, c'est uniquement Stéphanie dans la maison et la deuxième partie, c'est elle qui a réussi à s'enfuir. Et comment elle vit l'après de ce qui lui est arrivé. C'est très très long. C'est très très long. J'ai eu l'impression que ça durait des plombes alors que l'histoire dans la première partie se déroule en seulement quelques jours. Mais c'est hyper répétitif. Il lui arrive toujours la même chose. Et effectivement, le personnage est pris à la gorge. Elle ne peut pas partir de cette maison parce qu'elle n'a pas d'argent pour se payer autre chose. Mais malgré tout, je sais pas, on a quand même envie de lui dire de se barrer de la maison parce qu'il se passe des choses vraiment bizarre, il y a une espèce de trafic de femmes, etc. C'est le genre d'héroïne pour lequel j'ai un petit peu du mal à m'attacher parce qu'elle est tellement passive en fait dans ce qui lui arrive. C'est-à-dire qu'elle se rend vraiment compte dès la première nuit que ça se passe très très mal, que ça va très mal se finir. Mais malgré tout, elle reste et je sais pas, il y a une dynamique qui est assez bizarre entre les personnages de ce roman à laquelle j'ai eu vraiment du mal à adhérer. Et l'histoire en soi est pas mal quand on a la révélation de ce qui s'est passé dans la maison, ce qui s'est passé dans l'espèce d'appartement souterrain, etc. Mais malgré tout, j'ai eu vraiment du mal et le film n'est pas mieux, malheureusement. Et ensuite, alors, le dernier roman dont je vais vous parler, par contre, c'est attention, 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 attention,
C'est un livre que je ne recommande pas à tout le monde, clairement. Âme sensible, s'abstenir, c'est un livre qui est vraiment horrible. Je crois que c'est le pire livre que j'ai lu, sincèrement. Et je suis beaucoup plus sensible en livre qu'en film, c'est-à-dire que je tolère beaucoup plus de choses visuellement parlant qu'en le lisant, parce que je pense que j'ai beaucoup trop d'imagination, donc voilà. Tout ce teasing pour vous parler d'un livre qui s'appelle Le corps exquis, qui est écrit par Poppy Z. Bright. Pour vous résumer l'histoire en gros, on va suivre deux tueurs en série. Un tueur en série anglais qui est nécrophile et un tueur en série américain qui vit à la Nouvelle-Orléans et qui est cannibale. Quand je vous disais qu'on était sur une thématique cannibalisme dans cette vidéo, je ne vous mentais pas. Et en fait, on va suivre la vie de ces deux personnages qui tuent des jeunes hommes. Et en fait, au bout d'un moment, ces deux personnages vont se rencontrer. Voilà. Et ils vont rapidement se rendre compte qu'ils sont tous les deux des tueurs en série et que donc ils vont pouvoir tuer des gens ensemble. Forcément, à deux, c'est mieux. C'est un livre qui a une histoire vraiment hardcore, mais qui, en plus de ça, va tellement loin dans les détails et dans les descriptions. Voilà, on n'est pas sur deux tueurs en série ordinaires. Dites-vous que ce qui a servi d'inspiration pour les deux tueurs en série, c'est Ted Bundy et Jeffrey Dahmer. Ça peut vous donner une petite idée. D'ailleurs, il y a toute une scène qui se passe vers la fin du film qui est très semblable à quelque chose qui est arrivé à Jeffrey Dahmer, voilà, avec un garçon qui s'est échappé de chez lui, etc. Si vous connaissez un peu l'histoire, vous savez très bien de quoi je parle. Et voilà, on va très bien nous décrire en fait comment il tue les jeunes hommes, comment il les dissèque, comment il les mange, comment il les prépare, etc. C'est un livre qui est vraiment horrible à lire. C'est pas un livre que j'ai aimé à proprement parler. C'était pas non plus une bonne lecture, mais malgré tout, j'avais envie de le lire jusqu'au bout. Voilà, c'est un livre qui est vraiment très très particulier, que je ne recommande pas à tout le monde. Il faut vraiment avoir le cœur bien accroché pour le lire, parce que c'est hyper gore, les descriptions vont très 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 loin, et voilà, c'est vraiment le genre de livre qui va vous retourner l'estomac. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un pouce en l'air pour me le faire savoir et pour m'encourager. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des œuvres qui vous ont inspiré, qui vous intéressent. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Vous pouvez me soutenir sur Utip. Je vous mets tous les liens dans la barre de description. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!